Et nous connaissons que hier que nous-mêmes nous recommençons avec la troisième journée du championnat en Espagne. Là. Nous déjà connaissons que depuis nous parlons de football, Haïti va négocier Real Madrid yo, ensemble avec Barcelone pour ceux qui rejoignent plus fanatiques. Barcelone et puis Real Madrid et dans le pays nous et exactement aujourd'hui c'était troisième journée championnat en Espagne là pas oublier il était commencé depuis vendredi troisième journée à table déroulée depuis vendredi et l'a fermé et demain qui c'est lundi. Lundi 28 août 2023. Ça nous pas du temps, n'a pas entré dans Mama Gozia et n'a pas commencé ensemble avec le match qui était joué hier 28 et hier 26 pardon, 26 août 2023. Nous t'ai gagné et 3 matchs. Premièrement, nous avons gagné Cadiz qui était joué ensemble avec Almeria. Match a été fini yon bit partout. Après ça, nous avons gagné Granada. C'est toujours troisième journée. Yo. Granada qui a joué ensemble avec Mallorca. Mallorca tombé devant Granada 3 buts à 2. Après ça, nous avons gagné Séville qui t'a joué ensemble avec Girona et Séville tombé devant Girona et débit à 1 et moi-même au final par contre ça a passé Séville. Séville lui-même ou mettre elle t'a commencé jouer boule bien ou mettre elle t'a poussé ballon et il pas jamais kembé bon et ces problèmes ça me gagne ensemble avec Séville moi-même. On belle l'équipe liée, il toujours commencé bien, toujours, et attaqué bien, mais, par contre, ça qui passe, c'est vie toujours mal passé, fini match, mal, mal. Après ça, pour nous traverser, jeudi, qui c'est 27 août 2023, nous t'ai gagné toujours troisième journée équipe Pio dans championnat et Espagne. Nous t'ai gagné et 3 matchs jeudi. Jeudi, nous t'ai gagné Barcelone qui t'ai joué ensemble avec Villarreal. Après ça, nous gagnons Valence qui joue ensemble avec Osasuna, qui a joué là actuellement. Et deuxième premier mi-temps il a peine attaqué deuxième mi-temps là après ça nous gagne Athletic Bilbao qui pourra jouer ensemble avec Betis ensemble avec 3h30 là et bataille ça va commencer et n'a commencé ensemble avec Valence elle fini n'a prend et Barcelone en dernier nous gagnons Valence qui là actuellement là qui roule les ballons ensemble avec Osasuna. Match ça lui-même et li en faveur Osasuna. Ça veut dire Osasuna qui a marché sous Valence, li a mené un goal sous Valence, mais c'est et 58 et Valence qui a position ballon 58 sous 42 quand même. En tout cas, n'a pas été temps pour nous voir comment ça finit. M'espérer que Valence, même si on a position ballon, pour le fond bagaille quand même, jusqu'à ce que pour légaliser, pour le capable battre, si t'es capable de gagner match ça quand même. Après de ça, nous gagnons, n'a pas entré dans Maman Cosia, qui c'est Barcelone. Barcelone, je dis, qui joue un match nous pas gagné pour nous reprocher mais ça qui nous capable reprocher c'est défense Barcelone là et qui moi-même pas trop aimé latéral là parce que
moi yo te ban nou et joue ça lui-même qui relé comment relé encore li relé et Sergio Roberto c'est lui qui est capitaine, c'est lui capitaine principal non déjà qu'on est Barcelone de c'est Sergi Roberto qui est numéro 1 capitaine et c'est Barcelone quand même Roberto Condé mais pas remé Sergio Roberto non Lilia pour ce qui deuxième goal Barcelone pour le point c'est on dit parce que c'est premier goal ou bien deuxième goal là comme ça c'est sous bas c'est sous Sergi au passé il fait deuxième goal là pour ce qu'il monte trop haut il monte trop haut vous comprenez c'est là qui était Condé seulement là et puis Condé c'est dans deux joueurs Villarreal là il trouvait non action ça non action qui mène goal ça en tout cas et Mbappé nous menti Barcelone souffre c'est vrai il souffre Barcelone point by deux goals li bay l'a mené sous Villarreal mais malheureusement et Barcelone pas de kakembe jusqu'à ce que Villarreal légalisé sous Barcelone jusqu'à ce que li bay Barcelone li yon goal li tap mené sous Barcelone et 3 buts avec des quand même qui est-ce qui était position ballon c'est Barcelone qui était position ballon Barcelone tap mené sous Villarreal 61-39 et en tout cas premier monde qui était marqué goal dans match ça c'est Gabi qui était joignant yon centre et puis dit a pral mettre yon coup de tête et sortant dia dans 12e minute et Barcelone était déjà mené yon goal 1-0 sur Villarreal. Après ça nous gagné dans 15e minute de jeu Frankie de Jong qui t'a pral marqué et yon centre les joine côté qu'il t'a pral mettre goal ça direct et côté qui gardien Villarreal n'a pas de faire rien dit tout le monde pour boule ça en tout cas bagaille yo pas vraiment facile et Jean qui moi même t'ai pensé qui bah yo ta facile pour Barcelone là parce que tout lo regarder Villarreal qui a joué Robin son équipe qui moi même en plus c'est vrai mais son équipe tout qui pas gain résistance ça veut dire yo pas gagné comme si yo font changement yo comme si yo yo référence yo force souvent pour yo même yo capable remplacer joueur ça yo pas les tirer pour capable remplacer pour capable gain confiance normalement qui capable stopper adversaire quand même. En tout cas c'est football, en tout cas on a beau suivre pour nous ouais et comment bagay ça li même la fini n'a souvent ouais comme gien pile match toujours pour équipe yo même pour faire ça y a faire reprendre en tout cas et mais moi même année ça m'a souvent moi là yo j'en ai pensé là yo facile là yo pas facile comme ça non yo pas facile comme ça oui. En tout cas, et qui est-ce qui t'a marqué pour Villarreal? C'est Juan. Juan t'a marqué dans 26e minute de jeu. Juan t'a marqué pour Villarreal. Après ça, nous gagnons Solon qui marqué en 40 minutes de jeu. Il marqué. Après ça, nous gagnons avec Beana qui marqué dans 50 minutes. Le marqué un troisième goal pour Villarreal. Santa Dial mettait Barcelone en coup, il mettait Barcelone en chercher, il mettait Barcelone sous une pression qui vraiment exagéré Timon. Bah, il n'y a pas été facile dit tout pour Barcelone, mais malchance pour Villarreal, bon chance pour Barcelone. Barcelone font changement, il retire. Au gol, li vini ensemble avec Ferran Torres, et Ferran Torres na 68 minutes de jeu, Ferran Torres pour al marquer,
le troisième goal pour Barcelone, il va permettre Barcelone de retrouver confiance. Il va faire Barcelone légaliser ensemble avec Villarreal. Et c'est un gros applaudissement pour Ferran Torres. Parce que depuis le monté, il font des choses. Je ne sais pas si c'est ça pour Ferran Torres. Si Ferran Torres a toute tactique, ça. Vraiment, gros pression sous dos Ferran. Parce que là où on joue, écoutez, que l'équipe, c'est l'équipe pour lui, mais l'équipe, vous comprenez ça, nous là. Ou est-ce qu'il y a un résultat, mais ça capable, vous comprenez ça, là, ou pas un résultat, il y a un capable de vouloir aller, c'est clair, parce que Barcelone gagne un pile de joueurs. On va voir, Barcelone gagne, et là, Diama, qui vraiment, moi, son petit joueur, moi, en pile, son petit joueur qui gagne, et en pile talent, qui gagne résistance, qui capable de tuer adversaire, qui capable de faire des tribes, et qui nécessaire. En tout cas, moi-même, applaudissements pour Lasmic. Lasmic, pas oublié, mais c'est son espagnol. Monsieur son espagnol, et puis, il gagnait 16 ans seulement. Voilà, imaginez, ils ont eu 16 ans, à 16 ans pour, et j'aime ça, j'ai tout talent, ça, yo. Mais, et pas oublier tout. Des fois, ils ont commencé bien, et puis, ils finissent mal, tout. En tout cas, moi-même, je plus souhaiter ça, sous joueur, et brésilien. Au brésilien, bah, j'aime beaucoup, depuis, sous, pépé, puis, au tapis, légende. Comprendre ça a voulu les pépés sont été comme son légende, mais en tout cas même jamais un joueur qui a fait effort un joueur brésilien qui a toute énergie qu'il te gagne auparavant, qui a même énergie en parole. Et à 16 ans seulement, il a démontré qu'il est les mêmes boules, il a besoin d'un nouveau. Il a besoin de faire non, jouer football là quand même. Il pèse 70 kilos. Après ça, il mesure 1m80. Il a une belle hauteur, Timon. Il a une belle hauteur. Belle hauteur. En tout cas, Jasmine et Lamine Diamal, bon, félicitations, bagaille pour moi, pour chez vous. Ou a frappé. Après de sa troisième goal là, qui pourra le faire, Timon, Lewandowski, les marqués jeudi à zéro, mais beaucoup, Lewandowski, avec ce passé à la 2022, beaucoup même talent ça, même énergie ça, moi Lewandowski lui-même il a été fait entrer dans Barcelone et pas même bagarre là moi non, en tout cas et joueur a commencé grand monde a commencé et frappé le tradi avant lui gagner 35 ans, lui peser 78 kilos, lui mesurer 1m85, il y a 5 cm en plus, et il y a la mine, il gagne 5 cm sous la mine quand même. En tout cas, c'est football quand même. J'espère que Lewandowski monte nouveau, parce que si on parle de Barcelone aujourd'hui, il faut parler de Lewandowski quand même. En tout cas, n'a pas été suivre, comme toujours, nous, toujours dire que ce troisième jour, il a fait commencer. En tout cas, n'a pas été, et comment ça lui-même l'a fini quand même. Après ça, pour nous parler de Gabi. Gabi joue un bel match. Il joue un bel match, côté que lui baille tout lui-même, moi-même, l'a l'a joué. Moi-même, si tout la position, il y a, moi-même en pile, parce que, lui, goûter, lui baille tout lui-même, pour
Barcelone quand même capable de bailler résultat quand même. Il a 19 ans, il mesure 70 kilos, il pesait 70 kilos, pardon, et puis il mesure 1m 73. Lewandowski a une différence de sous ses pieds droits. Mes amis, bagayou vraiment pas facile aussi j'en ai tout nous-mêmes nous passer là mais moi je crois Barcelone c'est dans championnat espagnol là bah bon menti Barcelone des qualités c'est faux Barcelone des qualités pour gagner Liga ça quand même pour année 2023 arrivé 2024 quand même Ligue capacité, Ligue joué pour le bon résultat qu'il besoin. Après ça, nous gagnons Franky De Jong, pour parler de Franky De Jong, nous disons tout déjà qu'on est tout ça, qui fait Pays-Bas, Ligue 26 ans, il pesait 68 kilos, il mesurait 1m81. Son joueur qui m'a menti, mais je vois pas. Son joueur qui m'a en pile Simon. Voilà pour qui ça. Franky De Jong, une qualité physique. Franky De Jong, il a joué boule, il va jouer boule tête à tête. Il joue boule, il a couru tête li en l'air. L'a cherché compatriote li. Il devait être li pour nous avant de lui faire un passe. Il devait être li exactement côté joueur pal là. Il y a quand même pour le capable de mettre ballon ça avec joueur pal là. Passe li toujours ici. Son joueur qui m'a mis en pile, qui gagne pile talent, qui concourit. En fait, Simon, pour nous dire félicitations pour Franky De Jong quand même. Il joue boule. Et son joueur tout, Xavier gagne pile confiance dans lui-même tout. Ouais, Xavier gagne pile confiance dans Franky De Jong quand même pour capacité lui, pour résistance lui. C'est ça net, c'est très belle bagaille pour FC Barcelone quand même. Après de ça, et demain, journée ça, et troisième journée à conclu. La conclu ensemble avec deux matchs. Nous gagnons Getafe à 1h30, qui a vu ensemble avec Deportivo à la veste. Après ça, nous gagnons et Vallecano qui a joué avec 3h30 ensemble avec Atlético de Madrid quand même. En tout cas, n'a pas été suivre pour nous voir comment jouer ça lui-même l'a conclu qui est capable d'être classement et comme balayou fait commencer c'est vrai mais et depuis là pour voir qualité pour position jouer équipe quand même énergie équipe quand même pour nous voir comment Bagayo, yo même y a fini. Après, Real Madrid, Kembe, et après ça, en deuxième, ou bien Girona, qui Kembe. Après ça, ou bien Barcelone, en troisième, qui Kembe. Après ça, reste en bas, enfin, n'a pas été suivre. Comme, gen, des matchs qui pas joué demain, en tout cas, n'a pas suivi pour voir comment, bah, ça, yo même, y a fini quand même, troisième journée, comment l'a fini quand même. Eh bien, c'était tout ça, nous t'ai gagné pour nous t'épouter pour vous. Nous t'ai connecté ensemble avec Alette Pam 509. Et puis, l'air qui m'a fait si parler ensemble avec nous. L'air moi qui n'a pas de bravo. N'a voué Hichem. N'a partagé vidéo. N'a abonné. N'a like. N'a quitté commentaire nous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en pile. Bon, c'est de mon mot. Un peu de respect pour nous qui nous aident ensemble avec moi. Et nous, aux États-Unis, un peu de respect pour nous, c'est mon senti bonnouillé, bah nous l'avons là tout. Après ça, mon Chili, mon chapeau bas pour nous, mon Brésil, chapeau bas pour nous, mon Haïti, tout, malgré pile.
pile problème, pile difficulté, nous toujours là, nous pas la guerre, nous pas nous 509. Et moi très content, moi très content pour force ça, pour force ça, pour énergie ça, nous bon. Après ça, nous gagnons Paris, à Paris, nous avons bien redoué ensemble avec nous tous, et nous voulons un pile respect pour nous Paris. C'est un plaisir, ciao ciao, on a beaucoup assez quand même, et puis on a continué et travail, on a continué et on a dit, on a continué par énergie pour nous porter résultat match, et pour quand même, pour capable de